Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Guédon et j'enseigne la littérature comparée à l'Université de Montréal. Depuis les années 90, je m'intéresse aux réseaux numériques, culture numérique et autres problèmes du même genre. Je suis dans le mouvement du libre accès depuis 2001 lorsque j'ai participé à la réunion de Budapest et je continue de militer essentiellement pour faciliter, optimiser la communication scientifique. Si on veut comprendre un peu comment la recherche scientifique ou la recherche savante en général procède, il faut penser au fait que les gens doivent communiquer entre eux. Il faut bien penser également au fait que pour bien communiquer entre eux, ils doivent avoir accès à des instruments de communication aussi librement accessibles que possible. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans toute l'histoire des sciences. Ça a commencé par le courrier, tout bêtement, les gens s'écrivaient, et puis petit à petit par l'imprimerie. Ce genre de travail s'est mécanisé, dirons-nous, industrialisé et a donné finalement naissance à des livres et puis plus tardivement à des revues savantes qui sont devenues maintenant la plateforme principale de la communication scientifique. Il s'est passé à l'intérieur de cette histoire-là énormément de choses très très fondamentales. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation de la communication entre scientifiques a largement changé. Et pour résumer ce changement de la façon la plus simple possible, on peut dire que les revues savantes ont été prises à la communauté scientifique et mises entre les mains d'intérêts privés, d'intérêts qui cherchaient le profit financier avant l'optimisation de la communication scientifique. Le libre accès naît de la préoccupation justement de scientifiques et de chercheurs, voyant que cette communication scientifique était d'une certaine manière dévoyée par la nouvelle situation qui s'était développée après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été aussi rendue possible par un phénomène tout à fait extérieur, mais fondamental en l'occurrence, qui est celui de l'apparition de la numérisation des ordinateurs et donc de documents numériques, culminant finalement dans l'Internet. Avec l'Internet et l'ordinateur, on se trouve dans une situation où le coût marginal de la copie et le coût marginal de la dissémination est pratiquement zéro, et c'est ce qui permettait de repenser complètement de fond en comble le système de la communication scientifique. Et c'est à partir des années 90, grosso modo, que toute une série de tentatives ont commencé à se développer pour créer un système de communication entre chercheurs, entre savants, entre scientifiques, qui était fondé sur le libre accès. Donc le libre accès, ce n'est pas une mode qui est sortie il y a 5 ans, c'est plutôt un retour, une recherche, une manière de recouvrer d'une certaine manière le sens profond de ce qu'est la recherche scientifique. C'est une grande conversation, on veut la faire marcher comme une grande conversation aussi libre et aussi efficacement que possible, et c'est de là que le libre accès est né.